escuche al fin j'ai tout santo costé dans le risque trop tôt quand j'ai n'allé sonda pourquoi tu m'aurais dit dans le risque trop tôt curé du vin puis maman, elle va sur les coups, a vu le télégramme. En 14-18, la Lamojo qui, les Allemands qui brûlaient la Mojo de votre grand-père d'abord. Oui, de Joseph. Avait 7 enfants. Oui, 7-8 enfants. Et qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, quand vous étiez brûlé, il fallait dormir. Deux à une place, deux à l'autre, et deux à l'autre, là. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Il a été en luche, en fait. Il avait plus rien. Plus rien du tout. Alors, il restait à Moulegger, pour lui mettre dans les travailler pour, et puis il restait brûlé. Et puis après, il a acheté une Mojon, fait une ravalée. Et puis, ils ont acheté la Mojon, là, et puis, ils ont fait le dri, là. Et puis ils ont vécu là de la violence à côté de mon bras, là. C'est comme ça. Mais qu'est-ce qu'il aurait fait? Thérèse, vous nous en avez sauvé à 40? Ben, vous étiez jusqu'à où elle est, là, nous autres. Avec Thérèse, avec comment ça restait? Vous êtes allé avec Maria Pousselet, elle tour, et puis, bon, vous êtes. Arrivé à Ouellet. À Ouellet, vous avez déjà les cavaliers allemands qui nous arrivaient sur le dos. Quand il aurait resté au vélo, et papa, mon olécho. À la place à Ouellet, on avait l'orné, les savus, comme elle. Avec Louise, qui avait 8 jours, on a demandé pour qu'on chauffe le biberon. Et dès qu'on a arrêté devant le tribunal à Ouellet, ben bon, les Allemands nous ont arrivé sur le dos, alors papa, si on m'a arrêté, et bien vous êtes là, et vous êtes revenus en fait. Et les Allemands, ils restaient un mois, non? Ben, ils restaient avec les cavaliers, tu sais, là, ils les faisaient à portée, là, ma foi, hein, mais bon. Mais ils ne faisaient rien de mort, non, ils nous auraient fait, hein, mais quand ils nous arrivaient déjà sur le dos, ben, ma foi, on s'est retourné, là, qu'est-ce qu'on aurait déjà fait? Après, t'as de la guerre, il n'y aurait eu, finalement, pour les petites gens. Ben, c'est pour les gens, ben, qu'est-ce qu'il n'y aurait eu, ben, bon. C'est de l'air en carotte, ils l'ont passé, mais il n'y a rien eu. Mais tu vois, de pareil à un moment, l'année, en 14-18, il avait été brûlé, les avions. Ça fait que maman l'a rompu, ça fait qu'elle voulait en aller. C'est ça surtout qui a poussé le Jean à aller. En aller, c'est parce qu'il a été brûlé. Il avait peur de 14-18. Il avait eu des reprises en 14-18, et c'est pour ça que maman voulait absolument en aller. Hein. Et alors c'est comme ça. Quand ça va décider, je dis, on a ramassé l'or, c'est de l'écran de moi, c'est de voyager à la guerre. Et Louise, elle avait 8 jours. Et vous en allez avec la gamine et tout, elle les efforts, et Maria Pousselet. Et Camille, elle avait en allée en vélo. Elle l'a fait pour les efforts. Et bien. À la tête. Et bien, comment nous, vous avons des. Comment vous avons des choses. Il avait pris des biberons en choses, et puis il y avait. Nous avons été dans le rêve pour de lâcher, là, ma frère. Enfin, voilà, là, qu'est-ce qu'il aurait fait. Et nous avons dit, chauffer le biberon. C'est comme ça qu'on a arrêté à sur la place à Valais. Ah, oui. On avait dit, chauffer le biberon pour Louise. Comment à la boucherie, là, parce que c'est la boucherie, là, à côté du tribunal. Et les Allemands ont arrivé avec les chevaux. Et alors, à ce moment-là, eh bien, bon, quand papa a vu ça, il a dit, ben, c'est tout, ça va. Et le père de Félix Or et Astola, avec Samir aussi, avec le chevaux et la tchérette, il a dit, oh, baby Gerva aussi. Et il est revenu pour 3 heures de l'après-midi, on est arrivé. Et il y a vraiment 3 heures de nous autres? Ben, nous autres, on avait l'or, et puis nous autres, et puis on avait le ménage de mon Henri, là, comme Maria. Et il est revenu tout le ben, tout le monde est revenu, nous avons cherché les choses et vous êtes revenu en fait. Qu'est-ce qu'on aura fait? Quand papa a vu ça, il a dit, mais je reviens, c'est ce qu'il dit à Maria. Et quand il a passé en vélo, il dit, et vous, sur l'eau pris, elle est arrivée 3 jours après avec le tchèque. Il a se tiré. Quand il a vu ça?
le père, hein, ah, le père. Ah, le père, hein, comme il aurait. Le mailleur, alors. Ah. Elle avait été réquisitionnée de côté de Winen pour aller de clôturer les pâtures. Déjà, les Allemands, sous Jébec, les avions allaient déjà arriver là. Et elle avait été réquisitionnée 3 jours, et puis nous revenons là, et puis 3 jours après, elle est arrivée là. Un peu l'eau. Voilà d'abord. Je crois, toi, les mots que j'avais les chevaux. Mais c'est facile, on est arrivé là, la chose qu'on s'est déclarée le 5 de. Le 4 de juin, en 40. Ils ont parti le 10, nous autres, de mai. Ah ben là, quand on s'est déclaré tout ça, il fallait que tu déclares la soupe tabou. Donc, c'est fait à Bellac le 4 juin, en 40. Et donc, tu vois, ça marque combien Bellac eh bien, résidence en France, à Pommiers, c'est Bellac. Ça fait que vous commencez, montrez un peu la carte, le voyage que vous avez. Nous allons, donc, j'estore les 4 frères, les 4 sœurs, un frère, la mère, et le grand-père, et le père est tombé à Thionville. Et il venait en vélo. Et quand il est arrivé en vélo à Palouju, il y avait des six questions de jour aussi qu'il n'avait pas allé. Et l'homme est tatoué à côté de la charrette. Alors, c'est son camarade. Alors, il a dit, mais pour tatouer, plus long, il est tatoué à Tchongvi, Djerva. Ça fait qu'il n'est pas allé. C'est votre grand-père, c'est ton père. Et votre grand-père est avec vous. Il est avec nous autres. Le père, il est avec ce frère. Et alors, ils sont revenus à Tchonville. Et ils sont mis le long de la route. En rouettant l'armée qui passe. Et mes parents, nous, qu'ils y mettaient là. Et alors, la bouche encore loin, qu'ils étaient. Hein, c'est beau qu'il aurait compris, hein. C'est beau qu'il aurait compris, parce que je te comprends bien qu'il y aurait déjà eu passé. Hein. Et alors, l'autre chère, depuis la Flavouille, il y a eu à Limoges. Elle a fait d'autres jusqu'à Bellac. Bellac. Et les villes que vous avez passées, vous avez des souvenances? Oh, oui. Vous avez passé par Sedan, vous avez dit. J'ai passé Sedan. Bellac, ce que vous jouez, là, c'est bien. Pour mais on est revenu à Troyes, pour mais hein, puisque on est arrivé ici, et puis Auxerre, le Bourges, hein. Alors, et ça allait bien, à niveau, il n'y avait rien, il n'y avait pas de bombardement. Pour n'aller. Ah oui. Tiens, toi, tu as passé d'un viage qui a tout liquidé. Même que j'ai vu le chevau avec la charrette de boulanger de Casbourg. Que le chevaux est au culbuté de la peine. Et alors, nous autres, on a traversé, puis on a allé, on a dit arrêter. Hein. Donc, ça sonnait quand même si logique, ça. Non, pas. On dit tout, toi. Et mitrailler, les avions qui mitraillaient, ça existe oh, aussi. Oui, ça ne vous en est arrivé, vous autres. Hein? Mitrailler des civils sur les vols, you know, les avions. Toi, ah, oui. Toi. Quand j'achetais, bah, tu sais, on avait les aupes, là, tout le long des routes, là, eh bien, on se mettait à le quadrille des aupes, là, et je marquais, toi. Donc, quand on voyait les avions, tous les jets se mettaient de l'autre côté des eaux. Et les Allemands, ils tiraient sur le vol, au mitant de le vol. Je suis choqué, ça fait bien de ça. Et il y a déjà constitué aussi sur le vol. Oui, ça. Et quand on était arrivé à Bellac, nous autres, le tchou, ça se trouvait noir, on est venu le réquisitionner pour aller mener le cercueil dans la poule à morgue. Ça fait qu'on n'avait plus pour du chevaux. On n'avait plus de chevaux, mais de toute façon, les mêmes amis qui sont les chevaux, là, c'est un souvenir, ma foi. Ah ouais. Alors, mais quand est-ce qu'ils pourraient venir aussi? Ah ouais. La quinzaine de nous jette. Et alors? Il avait fallu quand même. Alphère, ils voulaient rien d'eux, hein? Hein? Ils voulaient bien rien d'eux, Alphère. Ah oui, après, ils voulaient rien d'eux, hein?
Et puis alors, l'autre fois, on est revenu, et quand ils sont arrivés, comment est-ce que vous dites, à Sedan, là, ou comment est-ce que c'est que vous dites, au Beaubru, là, il n'en a plus voulu, hein. L'autre fois, il a tardé. Oh, mon Dieu, il n'a plus voulu, hein. Et c'est sur la vallée. Et malgré tout, il n'en voulait pas. Et puis c'était ma sœur, la Maria, qui s'est amenée au pain, et alors, qui a chanté jusqu'à Bouillon. Mais en cours de route, on sait. Quand ils ont passé sur la grande route, il y a de si que c'était dans un hangar, alors ils nous demandent de quel côté que vous retournez. Ben, du côté de Palaisol. Ah. Ben, on a une dame ici, nous autres, qui provient de Bellevaux. Comment est-ce que, je n'ai jamais songé de demander, comment est-ce qu'elle l'a venue là, mais, alors, il paraît, ça c'est une femme de Bellevaux. Alors, ils ont demandé, ils ont donné la printe, mais enfin, peut-être que une revenait par là. Ça fait qu'on n'a connu rien que de peu, de ce, le tour. Et quand ils sont arrivés à Beauvreux, la Maria s'est mis dans la panne, elle est de chienne jusqu'à Bouillon. Et c'est le frère de cette femme-là, que John Pré, qui nous a ramenés jusqu'à Thionville. C'est le tchou. Le tchou est stoppé en drive. Le tchou est stoppé, c'est. Mais Nastona a quand même Dieu. Ici, Jean, même l'on a. Il a un peu haché. Il a stoppé fatigué. Est-ce que la voix, qu'est-ce qui est mignolé? Des yeux. Mais ça, tu crois bien que. Il n'a rien pour lui, contraire. Oui, la bièse de Pouté. Et c'est comme ça, à long de routier, mignon et poucheur, mais ce qui est trop mal probable, hein. Parce que. Ah, mais c'est un exode, hein. Et ça, c'est encore ce que vous en revenez, vous autres. Fin septembre, plus. Fin septembre. Ah, ouais. Depuis le mois de mai. Depuis le 10 de mai. Ouais. Ah, oui, il y a de mai, en France. Chance qu'on nous a arrêté, là, de l'été. Ça, des vacances. Et qu'est-ce que vous avez fait là-haut, ça faisait déjà, là? Ah, oui, c'était de. En fait, c'était de Maujon, hein. Il y avait des sidouchons, que c'était de d'un autre, Maujon. Il y avait deux ménages. Et nous autres, c'était de deux ménages, de d'un des Maujons, là. Alors, mes frères, nous allons travailler en ferme, mais ensuite, on n'aurait pas reçu au fur, là, enfin. Il va mettre 10 jours, là, qu'est-ce que tu veux? Voilà. Vous avez 10 jours, moi, donc. Ah, 10 jours, oui, hein. 10 jours. Ben, c'est comme Mialguer, j'avais 9 ans, là. Mm-hmm. Et c'est comme ça qu'on se rappelle, hein, de ça, et qu'on est vu, hein, je vois quand papa allait, au milieu de la place, là, et les cavaliers qui arrivaient, là. Aïe, 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 qui était imaginé verser, mais qui ne l'air pas. Et puis Georges Auré, qui arrive, le père de Félix, et dit, aïe, 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 il a vos amis. D'une revers, puis maman, elle va sur les coups. À Buller, télégramme, il est mort en héros. Du sud, moi,